Salut les amis, on a une petite vidéo pour quelques achats. Je montre pas tous mes achats du mois, des Switch, des machins. Mais là, je suis allé chez un monsieur. Bah, il avait deux mêmes consoles. Il a pas retrouvé la Super Nintendo et la Mega Drive. Il a retrouvé qu'un jeu Mega Drive. La merde. Mais il a retrouvé de la Nintendo. Et ça, c'est mon kiff, les Nintendo à cartouche. Et j'en suis dingue. J'ai testé les consoles. Il y en a une, elle est à nettoyer. Une, elle est blanche. L'autre, elle est dégueulasse. Mais elle fonctionne. Et elle fonctionne. Ça, c'est bien. Je suis content parce qu'elle fonctionne. J'aime bien la musique de Mario Bros. Content de mon jeudi hier de l'ascension. Je chine pas demain matin, j'ai pas envie. Faut que ça va faire d'ailleurs. Ce week-end non, parce que je suis dans le sud pour des raisons spéciales. Donc voilà, on va faire une petite intro de mes trouvailles chez ce monsieur. C'est ce monsieur et un super lot Vinted. Pour ceux qui arnaquent, ça en fait ça. Un méchant lot Vinted. À 8h30 du matin, 9h, pas compris. Ça a été samedi dernier, je l'ai acheté, j'ai rien dit, puis je l'ai reçu ce matin. J'ai reçu ce matin. C'est la dame l'a mis, pas lundi, elle l'a mis mardi. Mais je l'ai quand même reçu ce matin. Donc on va commencer par un lot NES. Pareil. Deux lots NES. Alors on commence, je vous dis, c'est le lot le plus, plus dégueulasse. Déjà, il y a le zapper. Je suis content. Le zapper, deux manettes, dont une qui fonctionne pas, mais je pense qu'il faut la démonter pour la nettoyer. Je sais pas c'est quoi les vis, si c'est des vis carrées ou ouais, c'est des vis tombées, c'est spécial. Voilà, mais dégueulasse. Moi je voudrais fermer ta gueule. Alors on commence par un jeu Mega Drive, j'ai pas compris. Il m'a dit qu'il l'avait, mais il l'a retrouvé pas. Mais c'était sûr, il était dans ses cartons. Alors avec des beaux jeux, un en loose, un de Tales, un Gremlins. En fait, ce monsieur, Gremlins 2, ce monsieur, il avait acheté une NES quand il était, ses parents, quand il était petit, il l'a laissé chez ses parents, mais il ne retrouvait pas la boîte parce que ses parents se jetaient. Mais ils ont gardé le premier lot. Et celle-là, il l'avait racheté, c'est un monsieur qui a 50 et quelques, qu'il l'avait racheté par la suite pour jouer et qu'il l'avait gardé. Et il avait gardé celle de ses parents parce qu'elle était dans le grenier, dans un carton fermé, autour d'une couverture à l'intérieur. Et puis, il n'avait pas envie de chercher, mais bon. Et là, il a fait tout le grenier, il a retrouvé ça, il commence à finir. Donc voilà, alors je recommence. Un DuckTales, Picsou, un Gremlins 2, ça rentre dans la collection. Bah, celui-ci non, parce que vous allez comprendre pourquoi. Bon, le traditionnel Mario Bros. Celui-là, je vais peut-être le garder parce qu'il est un peu meilleur que le mien. Ouais, mais c'est pas la version SD, c'est dommage. Il y a le fameux traditionnel Mario Bros et DuckTales. Pour la télé cathodique, je ne l'ai plus. Il y a 9 jeux. Voilà. Là, non, 10 jeux NES. C'est bien. Non, 9 jeux. Ouais. Il y a aussi Mission Impossible qui rentre dans la collection. Ghostbusters 2. Celui-là, je suis content. Ah, ouais, Ghostbusters 2 qui rentre dans la collection. Bon bah celui-là il va être à l'échange, Mario Bros 2, peut-être je sais pas, on verra, Mario Bros 3 et Castlevania. Petit Castlevania, tranquille. Ça c'est l'autre console que j'étais en train de tester, et la console dégueulasse. Alors j'ai pas compris, alors là elle est mais marron. Ouais, je l'ai testé, j'étais en train de la tester, mais elle fonctionne. Faut que je la démonte pour la nettoyer, donc... Regardez vite ce que c'est. Ah,
C'est des vis spéciaux aussi. Hein. Le support manette, il fonctionne. Il y a une mêlée. Bon, ben voilà. Marron devant, j'ai pas compris pourquoi. Est-ce qu'elle a mal, elle a mal jauni? Je ne sais rien, mais j'ai jamais vu ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu cette couleur. Parce que de l'autre côté, elle est grise. Et dessous, elle est grise. Et c'est une française. Voilà. Ce lot-là, 40 euros. Négocie, il en voulait 50, 40. C'était deux lots, en fait, distés différents. Parce que je lui ai dit, non, mais c'est crado. Mais bon, vu des jeux, c'est 40, c'est juste le prix de Castlevania. Hein. Il faut bien négocier. Hein. Donc voilà, je suis content. Et on va trouver sur l'autre. Attends, ça, je vais mettre à part. Comme ça. Sur l'autre, bon, bah, celle-là n'avait pas de câble. Il ne retrouvait pas les câbles. Non, par contre, celle-là, elle est blanche. Je pense que je dois avoir une boîte vide dans mon garage. Parce que je mets des fois dans mon garage de la maison. Qui est juste derrière ma fenêtre d'ailleurs. Je dois avoir une boîte vide quelque part. Et je pense que celle-là va venir compléter une boîte vide. Voilà. Elle est blanche. Blanche de chez blanche de chez moi. Avec un jeu en boîte. Turtles. Red Racer. Un petit tic-tac. Un jeu que je n'aime pas du tout. Mais je pense que je vais le garder. Un Shadowgate. Je l'aime pas du tout. C'est la porte là, ça des questions. Je sais même pas en français. Encore un SOK, je l'ai rentré il y a dimanche dernier en but de grenier. La qualité de ce tennis qui est magnifique. Un jeu de basket. Encore, mais dans un état mais proche du neuf, Mario et Duck Hunt. Que je vais garder. Un petit, bon l'état des boîtes elles sont dégueulasses. Peut-être échanger les boîtes contre un jeu. Un petit DBZ, un petit Dragon Ball. Un petit putain Bugs Bunny. Et voilà pourquoi je vous disais que l'autre va partir. Après avoir c'est qui le plus propre. Je pense que ça doit être l'autre. Un petit Doctals. Monsieur m'a dit je vous fais les deux lots, 100 euros. Ça vous va? Oui. On va pas t'éverchisser, il m'a dit j'en voulais 50 euros par lot. Celui-là il est un peu plus propre, il y a un peu plus de jeu. Ice-T c'est mon labier. Le PSG aussi. Bien sûr, une manette propre. Voilà. 100 euros les deux lots. Rien à dire. Rien à dire. Maintenant, on va passer sur le fameux lot Nintendo. J'ai reçu le carton explosé, mais il manquait pas de jeu. Je sais plus combien il y a de jeux. Il y a trop doubles, j'ai pas compris. Mais bon, déjà, une manette avec la carte mémoire, avec le Joy, qui est nickel. Ça, impeccable, que je vais ranger en même temps. J'ai le panier à manette et le panier à câble. Je vais les ranger en même temps. Une deuxième manette. Attendez-vous. Pareil. Joystick. Impeccable. Impeccable. C'est impeccable, joystick. Joystick impeccable. Bien sûr, le bloc de charge. Bon, l'anime, je ne vais pas vous la montrer. C'est comme la SNES et la GameCube. Alors, ma surprise, c'est... J'avais oublié de vous poser la question si c'est une carte mémoire. Et quand j'ai ouvert là, extension pack. Là, je suis quand même. Elle fonctionne, j'arrête pas de jouer avec. J'étais pas fan de la 64, mais maintenant, je reprends goût à la Nintendo 64. Disons que quand j'étais petit, 64, j'avais quel âge? J'avais 20. Je jouais pas beaucoup, je jouais plus à la SNES et Mega Drive et la NES. Après, j'étais militaire donc j'avais pas le temps de jouer. Bon, on va faire les jeux. Je vous dis après, il y a des mémoires. Hein. Memory carte. Ouais, pour mettre des cartes mémoire. Je pense que c'est ça. Mettre des cartes mémoire. Ouais. C'est plutôt ça. Ça a l'air d'être plutôt PlayStation ça. Ou GameCube. C'est encore une carte mémoire.
Allez, on part pour les jeux. Allez, on a Star Fox, encore un géante. Révolte. 07. Qu'est-ce qu'il y avait là? Je l'avais. C'était le jeu de tout à l'heure, là, je l'avais en double. Il était là, mais c'est pas grave. C'est le monsieur aussi de la NES, il avait trouvé un jeu 64. Un Star Wars Rogue, ah ça je suis content. Jeu de ski. FIFA. Ça rentre dans la collection. Hein. Collection, j'achèterai pas en magasin. Voilà, c'est celui-là qui est en double. C'est celui-là qui est dégueulasse. Mégano. Ouais. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Mégano, encore. Je l'adore parce que c'est des bons jeux de ski. Un Star Wars ASR. Je suis content. On va aller avec l'autre. L'autre, c'est. Excellent. Excellent, les mecs. Excellent. Et ben, encore un Star Fox, hein, décidément. Bah, c'est lequel que je garde. J'essaie de garder le plus propre des deux. 11, hein. Ils sont propres tous les deux. Hein. Je vais garder celui-ci. Ah, celui-là, j'adore. Fighter Destiny, c'est un putain de bon jeu de combat. Ça détrône pas les Mortal Kombat et Street Fighter, mais bon. Starling Comeon. NRC, jeu de voiture. Starshot. Le traditionnel Mario 64. Il n'y a pas de gros titre, hein. Franchement, pour moi le gros titre, c'est. Pour moi le gros titre, c'est celui-là. Hein. En termes de cotation. Hein. Maintenant, on va parler comme les autres. Il y a le Star. Un Turok. Il y a deux Mario Kart, je vais les garder les Mario Kart. Mario Kart. C'est un truc pour nous. Chopper Attack, celui-là il est nul à chier. Un Verali encore. Je pense que je l'ai. Je pense qu'il y en a un autre de Verali. Encore un Star Wars, Star Wars, c'est bien. Plusieurs Star Wars, j'aime bien. Hybrid Haven, je sais pas. C'est, je crois que c'est, il me semble que tu es dans un futur, tu descends, c'est des lasers, tu es dans une sorte de vaisseau spatial, je sais pas quoi. Ça, j'aime pas du tout. Mission Impossible, mais bon, on le garde pour la collection. Celui-là, Vigilance 8, il est pas trop mal. Petit jeu de voiture. Et encore, allez, ça va comprendre pourquoi, un Turok. Allez comprendre pourquoi. Quel est le meilleur des deux? La plus belle cassette. Regardez celle-là. Ça, c'est. J'ai pas compris, il est où Mario Kart en jeu? Va sembler avoir deux Mario Kart. Mario Kart. 1, 2, alors combien de jeux? 1, 2, 3, 4, 5. On va faire des piles de 5. Ça fait 20, 20, 25 jeux. 20, 25 jeux. J'ai payé. C'était à 150, j'ai fait une offre à 120 et c'est passé. 75, 120, 120, 25 jeux, je vais dire 120, 120 euros, je trouve que c'est correct. Très correct. Il y avait deux jeux en boîte. Ah, attendez. Il y avait Shadow aussi que j'ai échangé contre un jeu PS5, Shadow, oui, Shadowman. Et voilà, c'est tout. Bon, je trouve que c'est très, très, très correct. Voilà. 25 jeux.
120 €, ça fait 220 €, ça fait deux NES avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 jeux sur NES, deux consoles, 100 €. Et là, je dois attendre, mais j'attends une réponse pour une PlayStation 1 avec deux jeux 64 et un jeu Mega Drive. Voilà, voilà les amis, c'était Steph Retro Gaming. Maintenant, je sais plus ce que j'ai mis, la passion du rétro, parce que j'aime bien changer. Je fais comme le Astarion, lui garde son nom, je critique pas. Moi, je change. Allez, bisous les amis, ciao ciao, à bientôt.